Je suis enfermé à l'étroit dans ma cellule. Tous les jours le même café, mais c'est le temps qui est soluble. Ces bonnes actions que l'on regrette, ces erreurs que l'on refait. Au parloir, je parle autant à mon fils qu'à mon reflet. Je suis heureuse d'être là ce soir et je suis encore plus heureuse d'avoir commencé cette cérémonie par Big Flo et Oli. Et je suis encore plus heureuse de vous remettre ce prix de la chanson de l'année avec Je suis. Merci. Je suis confiante, je regarde ma classe un peu trop pleine pour moi et je leur tiendrai la main jusqu'à que la réussite leur ouvre les bras. J'ai compris que parfois les adultes sont paumés parce que les plus grandes leçons c'est eux qui me les ont données. Je suis. Merci de nous avoir donné ce prix. On s'y attendait pas. C'est vrai que pour deux petits mecs de Toulouse qui font du rap, se retrouver à rapper nos morceaux à Salle Playel, c'est très classe. Ça fait plaisir. Donc merci de nous donner cette chance là. Merci aussi à ces deux personnes qui sont là. À Augustin Charnay. Augustin Charnay, Clément Lib, et j'appelle aussi Stéphane Berlot pour BMG et Caroline Molko pour Warner Chappell, ainsi que Michael Buffon pour La Main Invisible. Je suis un peu de moi et beaucoup des autres quand j'y pense. Je suis la France. Alors, le prix du répertoire jeune public est donc attribué à Aldebert. Bonsoir, merci beaucoup. Mon vieux Guillaume Aldebert, je suis très heureux et très fier de te remettre le prix du répertoire jeune public. Merci Isabelle, merci Alban, merci beaucoup. Je remercie évidemment la SACEM de m'accompagner dans cette aventure enfantillage depuis le début, une aventure qui fêtera ses 10 ans l'année prochaine. Merci beaucoup. Le prochain prix, mon cher Albin, c'est le prix Francis Lemarque de la Révélation. J'ai débarqué Paris, d'un monde où l'on te rêve. J'ai fui les périls, les déserts où l'on crève. Tu m'as ouvert tes bras, toi ma Vénus de Milo. Tu brillais trop pour moi, je n'ai vu que ton halo. Ceci est un prix et c'est le prix Francis Lemarque de la Révélation. Vous l'avez bien mérité. Bravo. Paris s'éveille sous un ciel océanique, l'accent titi se mêle à l'Asie, l'Amérique, l'Afrique. Je suis une fleur craintive dans les craquelures du béton, à gagner dessous, à dormir dessous les ponts. Paris bohème. Merci pour ce prix. Merci à toutes les personnes qui travaillent avec moi, qui sont mes révélations à moi. Sans elles, je ne serais pas là, je ne ferais pas ça. Et puis merci bien sûr au public qui nous soutient depuis des années. Merci beaucoup, à bientôt. Mesdames et messieurs, le grand Jean-Claude Petit. Mesdames et messieurs les parlementaires présents ce soir, merci d'être venus. Vous savez que la musique est une incroyable et merveilleuse aventure humaine, mais la musique ne serait rien sans les créateurs de musique. Et vous savez, nous sommes une vieille maison, la SACEM a été créée en 1851, et les administrateurs qui décernent les grands prix là, sont les successeurs de ceux-là qui nous ont rendus libres, libres de vous proposer notre imaginaire, libres de vivre de nos rêves aussi. Je ne sais pas si tu sais, mais je crois que tu sais, on va remettre le prix de la musique à l'image. Oui. Le prix de la musique de film. Cette année, c'est attribué à Jean-Michel Bernard, qui est une seule personne. Oui, trois prénoms, mais une personnalité quand même. Le fait qu'il ait joué avec Ray Charles pendant toutes ces années, qu'il ait accompagné, ça donne tout de suite une idée de son niveau. Il est multi-style. Il joue tous les styles, mais tous, il les joue tous bien. Jean-Michel, voilà. Un souvenir. Merci beaucoup. Merci. Merci au conseil d'administration de la SACEM, ma maison depuis l'âge de 16 ans et 4 mois, qui m'a toujours accompagné avec bienveillance par l'intermédiaire d'Aline, d'Alejandra, de François et d'Églantine. Je vous aime tous et vive la musique. Notre histoire a commencé par quelques mots d'amour. C'est fou ce qu'on s'aimait. Merci Salvatore. Vous recevez ce soir un prix pour l'ensemble de votre immense carrière. Les plus beaux de mes jours. Et je te les rendais. Nous sommes très honorés toutes les deux. Oui. De te remettre ce prix tellement mérité. C'est très particulier en fait parce que ce prix m'est offert par ma confrérie, les
les artistes, les saltimbanques, les chasseurs de rêves, et leur ambassadrice, la SACEM. Donc, bien sûr, je me sens accepté et adopté. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, mais c'est pas le paradis. François Mémoun, Grand Prix de la musique symphonique jeune compositeur. C'est vrai que la musique de François, c'est une musique extrêmement à la fois virtuose, mais pas du tout m'as-tu vu. Il y a une espèce de bouillonnement intérieur et en même temps, oui, cette force de vie qu'on sent en permanence. Donc c'est très, très exaltant à jouer pour l'interprète. Merci beaucoup. Merci. Voilà, je remercie ma femme, ma famille, la SACEM qui me soutient, et bravo pour cette très belle soirée de communion des arts. La musique contemporaine en a besoin aussi. J'ai l'honneur de remettre le prix de l'œuvre internationale. Ce prix couronne l'œuvre internationale de succès en France, celle qui a rencontré le plus grand succès. Ce prix cette année est attribué à un tube planétaire, on Can't Stop the Feeling de Justin Timberlake. Et je suis donc particulièrement heureux de remettre ce prix aux deux co-éditeurs qui représentent cette chanson pour notre pays, messieurs Scott Farran et Bertil David de Cobalt Music Publishing et Universal Music Publishing. Messieurs, c'est à vous. Merci beaucoup. Ah bon, merci bien. Merci à SACEM. J'ai l'immense plaisir vraiment de vous remettre ce prix 100 fois mérité, en tout cas pour les musiques du monde. Oh. Moi, je donne un nom à ce prix. L'Afrique en a besoin aujourd'hui pour son émergence, la paix. J'adore votre musique qui vient de l'âme, moi j'adore vos harmonies, tout ça me touche profondément. Le grand prix du répertoire à l'export est attribué à la sauvage et talentueuse Jane. Bravo Jane. Merci beaucoup. Merci énormément, je suis hyper fière d'avoir ce prix. C'est vrai qu'on a fait 2 ans de tournée, je crois que c'était à peu près 207 concerts, donc on a pu pas mal voyager partout dans le monde et c'est vraiment ça que j'avais envie de faire. Et voilà, j'adore le métier que je fais et c'est grâce aux gens qui viennent au concert, c'est grâce à vous. Donc merci beaucoup pour ce prix. Je suis très émue. Merci. Grand prix de musique urbaine, soprano. Et je roule, 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 roule jusqu'au bout de la nuit. J'accélère, majeur en l'air, on insulte dans ta foutue maladie. Merci beaucoup, merci pour ce prix. Ça me touche beaucoup. C'est un honneur, une fierté d'être là. Cette chanson, en plus, je l'ai écrite à la base. Je l'avais pas prévu de le mettre dans un album. C'était vraiment pour me soigner, moi. Et tellement de gens à côté de moi m'ont dit « Cette chanson m'appartient, cette chanson m'appartient. » Je l'ai mise sur l'album. Merci beaucoup. Le Grand Prix. Non, carrément. Le Grand Prix de l'auteur, réalisateur de l'audiovisuel, Tristan Carnet. Ah oui. Il faut faire le geste. Le réalisateur. Tu as ce qu'il faut pour faire ce job.
franchement, c'est un honneur de ma part de t'offrir ça. Voilà, tu le mérites. Merci, merci. Sopra. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à tous. Je suis très, très heureux, très honoré, assez impressionné. Je remercie bien sûr la SACEM. La SACEM, surtout Gilles Amado et Rémi Grimbach. Quand on reçoit ça de pairs comme ça, qu'on respecte, c'est plus qu'un honneur. Et bien, le grand prix de la musique symphonique est attribué à Carole Beffa. C'est un plaisir vraiment de te donner le prix. Merci beaucoup. Bravo à toi. Merci infiniment. Merci à la SACEM qui est une grande maison qui fait coexister toutes ces musiques grâce auxquelles sans doute la musique contemporaine n'existerait pas. Merci en tout cas une fois de plus et merci pour cette soirée. Merci. Le grand prix de l'édition musicale, Éric Debeg. Éric Debeg. Un homme à peu près inconnu du grand public, comme tous les éditeurs, mais qui a conquis le respect des professionnels avec Crystal Publishing. Alors merci évidemment à la SACEM et au conseil d'administration de m'avoir choisi. Et puis surtout, 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 surtout merci à tous mes auteurs, compositeurs, artistes, avec qui je partage tous ces moments fabuleux. Et ce prix, je le partage vraiment avec vous parce que c'est aussi un peu grâce à vous que je suis là et que je fais ce métier. Donc merci à vous tous et bonne soirée. Madame rêve d'atomiseur et de cylindres si longs qu'ils sont les seuls qui la remplissent de bonheur. Alors le grand prix de la chanson française auteur-compositeur est attribué à Pierre Grillet. Bonsoir, merci donc pour cet honneur inattendu. Je suis très heureux que mes pairs le décernent. Sachez que vous récompensez quelqu'un qui aime écrire des chansons et y passer du temps. Et que ce soit dans une cuisine, dans un canapé, ça se passe souvent dans les cuisines, mais dans un canapé accoudé à un piano. Une chanson naît, une chanteuse passe et puis on la fait, pourvu que ça dure. Merci. Et je remercie tous les compositeurs qui me fréquentent. Et la SACEM aussi, bien sûr. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Passons au dessert avec le Grand Prix des musiques électroniques. Attribué à Petit Biscuit. Énorme succès digital, énorme succès critique, énorme succès à l'étranger. Petit Biscuit, c'est une histoire fascinante. Je peux pas être là ce soir, j'ai un concert à l'ancienne Belgique à Bruxelles. En tout cas, merci beaucoup pour le Grand Prix des musiques électroniques. Ça me va vraiment droit au cœur. Merci beaucoup. Merci Isabelle. Merci à la SACEM, merci à ma famille, merci aux musiciens avec lesquels j'ai évolué, merci à tout le monde qui m'a aidé, ils sont nombreux donc je ne vais pas pouvoir les nommer ce soir, et merci à la public qui aime la bonne musique. Voilà. Et merci à vous d'être là ce soir. Mesdames et messieurs, Nora Hamzaoui, le Grand Prix de l'Humour. Bravo, bravo. Merci. Moi, je suis évidemment très contente parce que j'ai pas reçu beaucoup de prix au collège et au lycée et tout. Et là, j'ai l'impression que la boucle est bouclée parce que Adamo, le prix, j'ai un peu l'impression que je suis enfin la fille que ma mère aurait voulu avoir. En apparence. Et ça, c'est, en apparence, merci de me le rappeler. Merci infiniment. Je remercie évidemment mon producteur,
tous les gens qui m'ont suivi, c'est-à-dire pendant quelques années, ma famille et mes amis, qui ont vu le spectacle vraiment beaucoup, beaucoup de fois. Et ensuite, tous les gens que je ne connais pas qui sont venus. Alors ça, c'est vraiment très sympa de leur part. J'espère vous allez sont... finir par les connaître. Ouais, alors j'ai... Venir souvent. C'est gentil, c'est un mot gentil, Nora. Ah, pardon, parce que il y avait un côté un peu flippant, genre ils vont attendre à la fin avec un petit paquet de chips et tout. Non, mais d'accord. Ah, dans ce cas-là, c'est chouette, j'ai hâte. Et c'est un boulot qui me rend très heureuse. Et si ça peut vous faire rire, bah, alors tant mieux. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Merci. Ça vient de je ne sais où. Pour le Grand Prix de la chanson française auteur-interprète, j'appelle donc Calogero. Je remercie la SACEM et puis je voudrais remercier d'abord tous les auteurs avec qui ont posé des mots sur mes musiques depuis tant d'années, sur mes musiques et celle de mon frère Joe Kino qui est là ce soir. Merci à tous. Merci à la SACEM.